son bâtiment en coup baqué. Nous allons passer à la... Excellences, messieurs les ministres de la Justice, gardes des Sceaux et droits humains. Excellences, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques. Mesdames et messieurs, toutes les ONG de H. 1er juin 2010, 1er juin 2016, un anniversaire de triste mémoire
au goût du sang. 6 ans après la disparition tragique de notre petit frère, Floribert Chebeya Bahizire et Fidèle Bazana Edadi, son compagnon de lutte et témoin gênant, tous deux activistes des droits de l'homme, assassinés dans les installations des bureaux de l'État, curieusement par les agents de l'État congolais et avec comme inspecteur général de la police nationale congolaise, le général John Numbi Banza Tambo, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où nous avons toutes les institutions du pays. Au cours du procès du premier degré, malgré certaines failles, la cour militaire avait heureusement relevé 3 chefs d'accusation. Association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat et en confirmant un crime. Assassiné par l'État congolais. L'État congolais étant civilement responsable, malgré son silence, exigeant une réparation conséquente des dommages et intérêts. Toutefois, en rapport avec les crimes, il y a eu suspension de ses fonctions du général John Numbi Banza Tambo, trahi par un des prévenus pour avoir ordonné d'inviter Floribert Chebeya. C'était un piège, un appât pour l'attirer vers la mort. En ces termes, c'était l'ordre de mon chef, le général John Numbi. Je n'étais qu'un simple exécutant. En l'occurrence, le colonel Daniel Mukalai Wamateso, chargé de l'organisation du crime. Il y a eu aussi arrestation du colonel Daniel Mukalai Wamateso et son équipe. Encore 2 fugitifs, en l'occurrence Christian Ngoy Kenga Kenga et Jacques Mugabo, des bureaux d'une grande formation en criminologie. Ils étaient recrutés dans les bataillons Simba, implantés dans la commune de Limité, au quartier Kingabwa, entreprise privée du général John Numbi, un intouchable du régime actuel. Ces 2 procès étaient trop longs pour rien. Une mascarade pour tenter de dorloter les naïfs afin de faire perdre inutilement le temps. Sans oublier l'adage français qui dit « laissons le temps au temps ». Avec comme seul objectif poursuivi, écarter le général John Numbi du procès, pourtant suspect numéro 1 du crime. C'était prévisible dès le départ, à partir de la falsification de la plainte de madame de la veuve de Floribert, qu'on avait expédiée à une instance inférieure. La plainte de la famille biologique a été carrément et simplement rejetée et déclassée. Au cours du procès au premier degré, malgré certaines failles, la cour militaire avait heureusement relevé 3 chefs d'accusation. Association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, en confirmant un crime d'État. Quant au procès du second degré, au niveau de la haute cour militaire. Un même objectif, et en fait effacer tout ce qui a été jusque-là dit au premier degré. Tous les témoignages révélatifs, avec l'intention toujours de faire libérer tous les prisonniers prévenus. Chose faite, attendons le tour du colonel Daniel Mukalai Wamateso.
Donc, bien que prévenu, l'attitude du colonel Daniel Mukalai à la prison de Makala acquisait des assurances de sortir incessamment. Pire encore, les plaidoyers nous semblaient venir des extraterrestres, des hommes qui ne sont de cette planète, qu'on a parachutés dans les dossiers sans aucune maîtrise. Curieusement, de la part de l'État congolais, un slogan à la une, un long discours tel que « violence faite à la femme », « violence à répétition », « insécurité à l'Est », « massacre à Beni », mais pour l'assassinat de Floribert Chebeya et Bazana, on observe un silence de mort, comme s'ils étaient des sous-hommes et sous-citoyens en République démocratique du Congo. Pourtant, ils étaient même violentés et ont subi un traitement cruel, atroce, humain et dégradant. Mais on n'en parle pas. Une petite description, c'était, on l'avait ligoté les pieds et les bras pour l'empêcher de se défendre. Étranglement provoqua une hémorragie grave au niveau de la bouche, du nez et des oreilles. Parce qu'on avait cassé la veine jugulaire au niveau du cou. Et alors ça sautait, le sang sautait comme l'eau de la régie des eaux. Et la tête de Floribert sans vie, balançait dans tous les sens à cause de la rupture de la veine jugulaire au niveau du cou. Une démonstration à l'aide d'un mannequin représentant le corps sans vie de Floribert a été faite à Mitendi lors de la reconstitution des faits par la police scientifique. Il y avait un mannequin qui représentait le corps et ils ont expliqué par démonstration comment on avait trouvé Floribert dans son véhicule. Et on avait mis les taches de sang partout là où il y en avait. Pour un métier noble de la défense des droits de l'homme, des opprimés du monde sans distinction de race, ni de tribu, ni de l'ethnie et ni de nationalité, l'enquête sur le massacre des adeptes de Bundu Dia Congo, de l'honorable Bwanda Semi, dans la province du Congo central, ne lui a pas épargné la vie. Vu la délicatesse du dossier, pourtant c'est le cas des massacres à Beni, dans un pays où la vérité et la justice sont sacrifiés, les ennemis de la paix et de la démocratie, des hommes sans conscience, des sanguinaires, des criminels professionnels avaient décidé de les faire taire à jamais en les retirant précipitamment de la terre des vivants avec le concours comme la main armée du crime, hein, le concours du suspect numéro un, le général John Numbi, pourtant ami de longue date de Floribert Chebeya. Je m'explique, à l'époque du maréchal Mobutu, Floribert lui avait sauvé la vie. Elle avait aidé à quitter le pays en l'acheminant à Angola via Brazzaville. Il était accusé d'avoir organisé les massacres des Kasaïens vivant à Lubumbashi. Rentré en République démocratique du Congo, avec le nouveau régime, il était accueilli dans la famille des intouchables. Et sa première victime sera son ami, son propre ami de longue date, Floribert Chebeya, la trahison. C'est un cas qui rappelle une histoire biblique de Judas Iscariote, qui est général John Numbi,
et Floribert Chebeya, qui est Jésus-Christ. Un cas de conscience, une trahison. Mi biologique n'étant pas témoin des événements, voulait voir la lumière sur la vérité et connaître les commanditaires. Parce que jusque-là, les assassins, mais les commanditaires, on en parle à voix basse. On chuchote de peur qu'ils ne subissent les mêmes sorts que Floribert. Malheureusement, les commanditaires, par la voie de la justice, on voulait avoir la vérité. Malheureusement, la justice étant malade et n'étant pas indépendante dans un Congo, hier qui était grand et beau pays, un grand et beau pays où coulent le lait et le miel. Et le Congo d'aujourd'hui, au goût du sang, qui tue ses propres fils, entre autres notre petit frère, le sang de Floribert. Les commanditaires, bien que bel et bien connus, les Congolais trop pérés, ils chuchotent de peur qu'ils ne subissent le même sort que Floribert. Dans ces crimes, on est sans oublier le rôle joué par les patriarches, un intouchable du régime actuel, en l'occurrence le général Jean de Dieu Oléko, qui, pour briller les pistes du crime et troublé par l'événement, s'est précipité sur certaines chaînes de télévision nationale avec un discours monté précipitamment de toutes pièces avec maladresse, en déshonorant la dépouille mortelle de Floribert Chebeya. La lecture d'un discours très sale, déshonorant pour un grand responsable, si haut nommé, et surtout pour un parent père de famille. Même à ses beaux-fils, il les a déshonorés. Belle-fille, petite-fille et petit-fils, très discréditants. En accompagnant le corps sans vie de Floribert avec les capotes, préservatifs, Viagra, ongles artificiels et mèches pour femmes, en baissant les pantalons jusqu'aux genoux. La famille biologique de Floribert Chebeya exige de sa part une réparation conséquente et chose grave, malgré les traces de violence sur le corps sans vie de Floribert, confirmé même par la police scientifique, le général Oléko déclarait qu'il n'y en avait pas. Pour la famille biologique de Floribert, il n'y a jamais eu procès. Et nous dénonçons l'incapacité de la justice militaire congolaise et continue à maintenir toutes nos revendications qu'un jugement juste soit rendu et que les coupables, quel que soit leur rang, soient punis. Aussi, profitant de l'occasion avec la permission de l'ONG La Voix des Sans Voix, excusez-moi, sollicitons auprès des pays amis, les amis de Floribert, les pays amis de Floribert qui sont moralement avec nous, à penser aussi à soutenir financièrement la VSV pour la continuité des œuvres de Floribert. À l'exemple d'une des œuvres inachevées, en date du 2 juin 2010, le lendemain du crime, il n'a plus effectué son voyage dans la province de l'Équateur où il devait s'enquérir de la véracité des pseudo-ignélés qui, pendant plusieurs années, triment dans la prison centrale de Makala sans jugement jusqu'à ce jour. Je dis et je vous remercie. Bien, après ces mots pathétiques. Ou madame représentant personnel de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et Droits Humains. Excellence, mesdames, nous prenons la parole en ces jours à l'occasion de la commémoration de l'an 6 de l'assassinat de deux défenseurs de droits de l'homme, à l'occurrence Floribert Chebeya
et Fidel Bazana. En effet, il fait déjà 6 ans, jour pour jour, depuis que Floribert Chebeya et Fidel Bazana ont quitté la terre des vivants dans des conditions cruelles, inhumaines ou dégradantes par l'acte odieux perpétré par les ennemis de la démocratie et ceux qui violent en toute impunité à la longueur de journée les droits humains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'article 16, alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006, stipule ce qui suit. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Et l'article 60 de la dite Constitution précise que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées à la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Il ressort de ces dispositions constitutionnelles la volonté exprimée par le législateur, celle d'assurer la protection renforcée des droits humains. L'on ne peut, bien entendu, méconnaître ou porter atteinte aux droits d'une personne, surtout le droit à la vie. Sans détruire la personne elle-même, car ces droits sont intimement liés à la nature humaine et sont inhérents à la personne. Au nom du respect des droits de la personne humaine, de l'instauration d'un état de droit et d'une société réellement démocratique, nous, les membres de la famille de Fidel Bazana, déclarons et demandons ce qui suit. La justice a rendu son verdict de façon insatisfaisante. Les coupables ont été libérés. Les commanditaires n'est pas toujours identifié. Les dommages et intérêts conséquents jusqu'à ce jour ne sont pas encore alloués aux familles des victimes. Le corps du dauphin n'est pas toujours remis pour des funérailles dignes et conformes à notre coutume. Que vive le défenseur des droits de l'homme, que vive la démocratie, que vive l'état de droit. Je dis et je vous remercie. De la prison où il se trouve depuis 4 ans, a tenu à être présent et à rendre hommage à ce grand homme, à ce combattant de la liberté qu'est Floribert Chebeya. Les hommes de cette trempe ne meurent jamais. Même si on fait tout pour qu'on oublie, ils nous chargent de vous dire que il ne sera jamais oublié. Il a été un des derniers à voir le Floribert Chebeya. Je crois que une semaine avant sa mort, ils étaient ensemble. Et il a été un des derniers à qui il s'était aussi confié. Alors, à l'époque, comme 2 juin 2010, à 22h30, nous vous lisons le message du 2 juin 2010 à 22h30 de Eugène Diombi Nongala. Tous les membres de la démocratie chrétienne unissent leur voix à celle de leur président national, M. Eugène Diombi Nongala, pour rendre un vibrant hommage à Floribert Chebeya, certainement le défenseur des droits de l'homme le plus engagé et le plus courageux de la RDC. Lâchement et violemment abattu dans des circonstances obscures qui méritent d'être immédiatement élucidé au nom de la vérité et de la justice. Le président Eugène Diombi Ndongala Nzoma pleure un frère, un ami, dont le courage et l'engagement civique ont été sans égal. La RDC vient de perdre un combattant de la liberté, un fils digne qui n'a jamais arrêté de lutter contre les antivaleurs qui sévissent si violemment en RDC. Floribert se savait menacé depuis plusieurs mois.
mais cela ne l'a pas empêché de continuer à travailler pour la défense des droits bafoués des Congolais sans voix. Floribert est mort en martyr et ses assassins doivent être identifiés au nom de cette valeur de justice pour laquelle il a donné sa vie jusqu'au dernier instant. Cher Floribert, nous ne t'oublierons jamais. Merci beaucoup, je demande... Les gardes du son et droits humains, représentés. Excellences, mesdames et messieurs, les chefs des représentants des missions diplomatiques, distingués invités en vos rangs et titres respectifs, chers collègues défenseurs des droits humains, mesdames et messieurs de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme VSV, permettez-nous de vous remercier vivement d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation qui vous a été adressée à l'occasion de la commémoration de l'an 6 de l'ignoble assassinat des deux défenseurs des droits humains, en l'occurrence M. Floribert Chebeya Bahizire et Fidèle Bazana Idadi, respectivement ancien directeur exécutif et membre effectif et chauffeur chargé des dispatchs de la VSV. Il convient de relever que la présente commémoration est placée sous le thème principal 6 ans après votre assassinat, tous unis pour défendre votre cause. J'ai besoin de vous rappeler que chaque le 1er juin reste et restera toujours une date commémorative où tous les défenseurs des droits humains et l'opinion tant nationale qu'internationale se mobilisent et se mobiliseront toujours davantage pour défendre la cause de Floribert Chebeya et son compagnon d'infortune, Fidèle Bazana Idadi. Tous assassinés injustement pour leur combat en faveur de la démocratie, du respect des droits humains et des libertés fondamentales, en vue de l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Cette date est également une occasion pour raviver la mémoire de l'opinion publique et rappeler la nécessité de la poursuite de la lutte pour que justice soit faite, pour que justice soit effectivement rendue à Floribert Chebeya et Fidèle Bazana Idadi. C'est ici l'occasion de dénoncer et de déplorer le verdict complaisant rendu par la haute cour militaire qui a allégé la peine du colonel reconnu coupable de l'exécution sommaire des défenseurs des droits humains dans les installations du siège de la police nationale congolaise et a acquitté ceux qui voulaient brouiller les pistes pouvant conduire à la manifestation de la vérité. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs et représentants des missions diplomatiques, distingués invités en vos rangs et titres respectifs, chers collègues défenseurs des droits humains, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 1er juin 2010, 1er juin 2016, cela fait 6 ans, jour pour jour, depuis que le corps de Floribert Chebeya a été retrouvé sans vie, non loin de où nous nous trouvons, au quartier Mitendi à Mongafula, et que celui de Fidèle est porté disparu jusqu'à ce jour, et ce, après qu'ils aient été torturés et soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant à l'inspection générale de la police par le sommet de la police. Certes, grâce aux pressions tant internes que de la communauté internationale, un procès au premier degré a eu lieu, à l'issue duquel des exécutants de l'ignoble assassinat ont été condamnés sans que cependant, la lumière ne soit faite sur les circonstances réelles du dit assassinat. Le parti civil
qui avait interjeté appel à la haute cour militaire ont été désillusionnés en septembre 2015 par les verdicts rendus par cette haute juridiction. La défense, la